avec un Get Ready With Me pour l'école. J'espère que ça va vous plaire. J'ai pris beaucoup de temps pour tourner cette vidéo et la monter, donc j'espère réellement que ça va vous plaire. Si vous voulez plus de Get Ready With Me pour d'autres occasions, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me dire en commentaire. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve ce soir pour un live sur cette chaîne. Ne l'oubliez pas, je vous y attends nombreux. J'espère que beaucoup d'entre vous seront là. Et voilà, j'ai tout simplement eu envie de faire un Get Ready With Me avec le retour du soleil et des beaux jours. Donc j'espère que ça va vous plaire. Dites-moi vraiment dans les commentaires si c'est le cas. Et si c'est le cas, j'en referai d'autres par la suite. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Mes réveils commencent toujours de la même manière, c'est-à-dire avec la lumière du soleil qui me permet de me réveiller doucement. Je me lève toujours aux alentours de 6h30 quand j'ai cours à 8h. Et la première chose que je fais, c'est de checker les réseaux sociaux comme Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube et Facebook. Je vais ensuite m'étirer avant de passer à la salle de bain pour me réveiller totalement. Je vais commencer par me laver le visage avec de l'eau après m'être attaché les cheveux pour pas être gênée. J'utilise en ce moment un nettoyant de chez Garnier qui est très efficace et j'utilise ma crème hydratante de chez Bioderma. Généralement, j'ai pris ma douche la veille pour gagner du temps, je n'ai donc pas besoin de la reprendre ce matin et je la prendrai seulement ce soir. Je n'oublie pas de me brosser les dents et de me brosser les cheveux avant de partir de la salle de bain. Ensuite vient le moment de s'habiller. Ici, le jean vient de chez Primark et la chemise d'H&M. Je reste dans quelque chose d'assez sobre puisque je vais seulement en cours, tout comme le maquillage et la coiffure qui ne me prennent seulement que 15 minutes grand maximum. Généralement, j'applique juste un peu de fond de teint et deux fards, dont un sur la paupière mobile et l'autre en coin externe. Et parfois, j'applique un rouge à lèvres nude comme aujourd'hui. Je mets ensuite un peu de poudre et je reste dans quelque chose d'assez simple puisque je vais seulement en cours et je n'ai pas envie de faire quelque chose de très sophistiqué. Je n'oublie pas d'estomper, d'appliquer du mascara et de faire mes sourcils comme je le ferais habituellement. Le rouge à lèvres que je porte est un bourgeois que j'adore et que je vous reparle très bientôt dans mes favoris du mois. Je mets ensuite les bijoux que j'avais choisis la veille comme ma tenue pour gagner du temps et moins en perdre le matin pour en laisser à mon moment préféré qui arrive juste ensuite. Il s'agit du petit déjeuner. N'oubliez pas les filles que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, il faut donc vraiment ne pas le rater. Donc en général je prends toujours un café avec des tartines et des fruits et ce matin-là c'était un smoothie qui était quelque chose de très facile à faire et de très rapide, idéal pour un matin précis. Si vous souhaitez avoir des recettes, dites-moi tout ça en commentaire. Ici, j'ai juste pris une banane et des fruits rouges et du lait et j'ai mixé tout ça ensemble. C'est une recette que je fais très souvent. Si vous voulez en voir plus, j'avais posté une vidéo avec des recettes qui sera listée dans la partie plus d'informations. Donc n'hésitez pas à aller la voir et en redemander en commentaire si vous souhaitez avoir d'autres idées de smoothie. Ça me ferait très plaisir d'en tourner pour vous. Pour celles qui demandent, mon verre jarre vient de chez Stokomani et vous pouvez en trouver chez Maison du Monde ou sur Amazon. Je prends souvent mon petit déjeuner devant la télévision ou devant des vidéos YouTube et ce matin-là j'avais choisi de prendre en plus des tartines et de déguster tout ça devant des vidéos sur YouTube. Et ça a été également le moment pour vous poster une photo sur Instagram et vous souhaiter une bonne journée. C'est quelque chose que je prends le temps de faire le matin et c'est quelque chose qui permet de bien commencer ma journée. Et souvent, c'est le petit moment où je parle à mon petit chat qui me dit bonjour à son tour. Donc voilà mon petit rituel du matin. Je prends ensuite le temps de regarder une dernière fois sur Instagram, de répondre aux messages et voilà, mon déjeuner se déroule comme ça. Et je prends le temps de prendre mon temps justement avant cette journée qui est souvent longue pour ma part.
Avant de partir, je pense bien à tout débarrasser car c'est quelque chose d'important pour moi vu que j'ai souvent des journées assez longues, vu que j'ai un travail après les cours, j'aime bien rentrer et voir que mon appartement est rangé. Donc je prends le temps de le faire le matin. Et vient le moment de partir. Pour celles qui demandent, ma veste vient de chez Pinky, mon écharpe vient de chez Primark, mes chaussures viennent d'un vendeur local de Besançon, mais vous pourrez facilement les retrouver sur internet, je pense. Généralement, c'est le moment le matin où je prends du temps, même si je pourrais faire plus vite, parce que c'est là le seul moment de ma journée où je vais pouvoir me poser un petit peu, prendre le temps de faire les choses doucement. Donc, je prends le temps de le faire. Et c'est important pour moi, puisque c'est comme ça que je vais bien démarrer ma journée et être de bonne humeur. Et avec le printemps qui arrive, c'est encore mieux. Et voilà, c'est parti pour une journée en cours et au travail. Et voilà les filles, la vidéo est terminée. J'espère que ce Get Ready With Me vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!